Vous croyez être libre dans vos choix quotidiens, mais en réalité, vous êtes très influençable. À longueur de journée, on vous manipule par des techniques de plus en plus raffinées. Fini les vieilles affiches gentiment suggestives, la pub d'aujourd'hui malaxe vos neurones à coups d'émotions fortes, très fortes. Dans l'heure qui suit, vous allez voir comment vous vous faites influencer par les slogans, les images et les étiquettes trompeuses. La preuve, nous avons rempli deux bouteilles avec le même vin. Deux bouteilles portant des étiquettes différentes, l'une prestigieuse, l'autre médiocre. C'était le même vin et pourtant tous nos dégustateurs sont tombés dans le panneau. C'était les deux, c'était vraiment les deux mêmes. Ok. C'est pas possible. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Votre comportement est aussi très malléable. Avec quelques impulsions électriques, on peut faire de vous un brave altruiste ou un sale égoïste. Ça se pratique dans un laboratoire de Bâle où des chercheurs sont parvenus à modifier les réactions d'un spécimen en envoyant des impulsions magnétiques dans son cerveau. Vous verrez tout à l'heure que ça n'est pas de la science-fiction. Vous allez aussi découvrir comment il est possible de manipuler votre mémoire et d'y implanter de faux souvenirs. Nous en avons nous-mêmes fait l'expérience. Nous avons convoqué des spécimens à une séance de cinéma. Quelque temps après, nous leur avons fait croire qu'une petite fille était également présente ce jour-là. Pour les tromper, nous leur avons envoyé une photo truquée. Et chose incroyable, ça a marché, le faux souvenir est devenu vrai. Je me souviens d'elle quand elle est entrée dans le cinéma. Et je me souviens d'elle parce qu'elle voulait se rendre utile en aidant à distribuer les cafés. Vous avez certainement de la peine à croire qu'on peut fabriquer un souvenir de toute pièce. Alors en attendant l'explication complète tout à l'heure, venons-en à quelques leçons pratiques de manipulation. Bonsoir. Tout au long de cette émission, vous allez voir des expériences de manipulation très surprenantes. À longueur de journée et quasi en permanence, nous sommes mis sous influence. Dans ce café, par exemple, vous allez assister à une scène très banale. Un couple qui déjeune tranquillement à une table. Mais en réalité, en quelques minutes, plusieurs techniques de manipulation vont être utilisées. Regardez. J'ai trop mangé. Ça a été un petit dessert? Oh non. On a la tarte aux framboises de maman si jamais elle est succulente. Oui, bon bah finalement d'accord. Très bien. Je ferai un régime demain. Ouais. Au fait chérie, pour cette manif sur le partage des tâches, t'as réfléchi? Écoute, franchement, défiler en tenue de ménage avec un aspirateur à la main, c'est pas trop mon truc. Il nous faut des hommes qui jouent le jeu dans cette manif, sinon il n'y aura pas de photos dans la presse. Enfin, je veux pas te forcer, hein. Tu es tout à fait libre d'accepter ou non. Bon d'accord, c'est vraiment pour te faire plaisir. Voilà la décision. Ça c'est pour... Ah, bah 12 francs la mousse. J'espère que c'était des framboises bio. Bon, tu reprends un bonbon? Qu'est-ce que je laisse comme pourboire? 4 francs? Bon, allez, 5. Maintenant, on va revoir cette scène avec un psychologue spécialiste de la manipulation qui va nous la décortiquer en trois moments clés. Ça a été un petit dessert? Oh non. On a la tarte aux framboises de maman si jamais elle est succulente. Il utilise une technique qui est bien connue et qui consiste à avoir un contact, mais pas n'importe quel contact. Contact en général, c'est entre le coude et l'épaule, entre 1 et 2 secondes, sans effleurer, sans broyer. Et ce contact permet d'augmenter la probabilité de voir les gens faire finalement ce qu'on attend d'eux. Oui, bon, bah finalement, d'accord. Très bien. Bah, je ferai un régime demain. Il nous faut des hommes qui jouent le jeu dans cette manif, sinon il n'y aura pas de photos dans la presse. Enfin. Je ne vais pas te forcer, hein. Tu es tout à fait libre d'accepter ou non. Mais là également, ce qui est utilisé, c'est une technique qu'on connaît bien, qu'on appelle le « vous êtes libre d'eux », et qui consiste à doter d'un statut de décideur, de sujet libre, la personne dont on cherche le concours. Alors on peut utiliser des formules comme « évidemment, vous êtes libre », mais on peut également utiliser d'autres formules comme « surtout ne vous sentez pas obligé » ou « c'est à vous de décider, c'est à vous de voir ». Dans tous les cas, on a le même résultat. Les gens déclarés libres se soumettent davantage. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils font librement ce que vous souhaitez les voir faire et qu'ils n'auraient pas fait spontanément. Bon, d'accord. C'est vraiment pour te faire plaisir. Voilà la décision.
Vous connaissez l'expression donnant-donnant. Le serveur ne fait rien d'autre qu'activer une norme de réciprocité. Il fait quelque chose pour vous qu'il n'était pas obligé de faire et il attend en retour de vous quelque chose que vous n'étiez pas obligé de faire. Qu'est-ce que je laisse comme pourboire? 4 francs? Allez, 5. Les petites techniques de manipulation sont omniprésentes dans le commerce. Le vendeur sait par exemple que l'acheteur est plus sensible à une baisse de prix affichée en pourcentage qu'en valeur absolue. Autre exemple, certaines marques de voitures diffusent un parfum sentant la voiture neuve dans leur voiture justement neuve pour qu'elles sentent encore plus cette odeur si typique de voiture neuve. Les clients adorent ça. On est dans un pays qui passe son temps à compter, mais on n'a jamais. Et à propos de clients, Sophia, vous la reconnaissez, c'est la journaliste très rationnelle de l'émission économique de la TSR. Elle passe ses journées à parler chiffres, budgets et autres comptes transitoires. Eh bien, une fois la porte du boulot fermée, ses envies et ses passions lui font perdre la raison. Exemple, lors d'une soirée de vente à domicile entre copines. Moi, j'étais partie en me disant, je vais dépenser maximum 200 francs. Ce qui me semblait déjà une coquette somme pour des bougies. Puis quand je suis passée à la caisse, bah, j'en avais pour, je crois, 450 francs. Mais comment Sophia en est-elle arrivée à dépenser deux fois plus que prévu? Tout s'est passé selon un scénario bien rodé. Sans s'en rendre compte, Sophia s'est peu à peu retrouvée dans un engrenage qui l'a poussée à en acheter beaucoup. Est-ce que vous identifiez à un moment une forme de mise sous influence subtile du groupe ou de la vendeuse? Du groupe, à l'évidence. C'est inconscient, évidemment. Mais quand vous vous ouvrez à une amie en lui disant « Écoute, mais là, je crois que j'ai pas mal dépensé, mais j'ai encore envie de ce truc, là, de cette huile de massage, elle a l'air bien, la vanille et tout. Ben, » la copine, qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce qu'elle vous veut du bien. Et moi, j'ai fait la même chose pour d'autres. Ben, achète, allez au point où tu en es, achète. Et puis le rôle de la vendeuse dans cette séance-là en particulier, mais finalement elle est assez effacée, elle crée un décorum et ensuite elle laisse que les choses se passent. Et de temps en temps, par petites touches comme ça, elle s'approche de quelqu'un qui est en train de lorgner du côté du catalogue et puis elle lui donne un petit renseignement. Là, elle vient vers vous et elle vous propose encore un petit quelque chose. Mais ce n'est pas très appuyé comme démarche. Donc vous n'avez pas l'impression qu'elle vous pousse à la consommation. Même si quelque part elle le fait, évidemment. Et ça n'est pas tout, car si Sophia aime les bougies, elle adore le maquillage. Une amie m'avait offert un bon pour une séance de maquillage à mon domicile. J'étais avec ma mère. Et puis cette jeune fille est venue avec une petite mallette. Elle était la représentante d'une marque de cosmétiques connue. Et d'abord, elle m'a fait un maquillage et je me trouvais mais canon. Puis ensuite, elle m'a dit, mais vous pouvez acheter des produits. Oh, comment ça c'est bien. Et alors là, la fille était vraiment active. Elle a dû flairer le pigeon. Et alors, elle me disait, voyez, Sophia, par exemple, le crayon blanc, ça fait, si vous voulez avoir l'œil plus grand, alors je dis, oui, je veux avoir l'œil plus grand. Ah, ben, il faut acheter ce crayon blanc. Et alors, j'achète le crayon blanc. Voyez, Sophia, ce mascara, alors, comme celui-là, il n'y en a pas d'autre. Et j'ai envie de la croire à ce moment-là. Alors, ne me demandez pas qu'est-ce qui vous pousse à la croire. Je ne sais pas très bien, mais j'ai envie de la croire à ce moment-là. Et je me dis que si j'achète ce mascara, j'aurai le cil plus long. Et donc, je plonge. Et je me suis retrouvée avec une ardoise de 800 et quelques francs, avec une mère décomposée à côté de moi qui me disait « Ma fille est folle, ma fille est folle. » Et j'étais un peu folle. Ouais. Pousser une acheteuse comme Sophia à mettre le doigt dans l'engrenage de la dépense, ça relève d'une habile technique de persuasion. Une technique qui a été décortiquée dans les années 60 par des psychosociologues américains. Hello, the Johnson residence. Ils se sont livrés à une expérience devenue fameuse. Ils ont d'abord appelé au hasard des dizaines de femmes au foyer. How many brands of soap do you use? Et ils leur ont demandé de répondre à quelques questions simples sur leurs habitudes de consommation. Dans la technique, on l'appelle le pied en la porte. Son principe est relativement simple, obtenir peu dans un premier temps pour essayer d'obtenir davantage dans un deuxième temps. On demande aux ménagères de répondre à quelques questions, anodines, 8 questions, on répond volontiers, alors que ce que l'on cherche à obtenir, c'est tout autre chose. Effectivement, quelques jours plus tard, les pseudo-enquêteurs ont rappelé ces mêmes ménagères pour leur demander d'accueillir chez elles des investigateurs chargés d'inventorier tous les produits qui se trouvaient dans leur placard.
Okay, that's fine. L'opération devait durer plusieurs heures et la maison entière devait être passée au peigne fin. Hello, Mrs. Johnson. Bref, la visite promettait d'être pour le moins envahissante. Pourtant, la majorité des femmes contactées a accepté cette invasion sans sourciller. Que montre la recherche? Elle montre que si on avait directement demandé aux gens, aux ménagères, de recevoir cette équipe d'enquêteurs, la probabilité aurait été relativement faible, 23%. Maintenant, si au lieu de leur demander directement de recevoir cette équipe de plusieurs hommes, on leur pose quelques questions par téléphone, encore une fois, 8 questions anodines, et si ensuite et seulement ensuite on leur demande de recevoir l'équipe d'enquêteurs dans leur recherche, c'est quelques jours après, alors la probabilité passe de 23% à 53% à accepter, plus de deux fois plus, le gain est donc considérable. Comme quoi, la technique du pied dans la porte, s'il vous plaît, ça marche. Aux États-Unis toujours, mais en 1972 cette fois-ci, le psychologue social Harris tenta un pied dans la porte très simple. Dans la rue, il commença à demander l'équivalent de 2 francs suisses aux passants. Il justifia cette demande en disant qu'il n'avait pas assez d'argent pour prendre le bus. Très peu de personnes répondirent positivement à sa demande. Ensuite, il changea de tactique. Il commença d'abord par leur demander l'heure. Ainsi, il reçut beaucoup plus d'argent. Presque 40 ans après, l'expérience de Harris, est-ce que ça marche encore? Eh bien, c'est ce qu'on va tester ici à Lausanne avec des Lausannois. Pour commencer, je vais directement leur demander une petite piécette. Bonjour monsieur, vous auriez 2 francs, c'est pour prendre le bus. Non, désolé. Bonjour madame, vous auriez 2 francs, c'est pour le bus. Vous auriez 2 francs, c'est pour prendre le bus. Non, je peux aller à pied. Ah ben, je peux aller à pied pour monsieur. Bonjour, vous auriez 2 francs, c'est pour prendre le bus. Dans ce premier cas de figure, seuls 10% des passants ouvrent leur porte-monnaie. C'est gentil. Bon bah, je suis pas encore riche, hein, mais maintenant, on va essayer autre chose. Je vais commencer par leur demander l'heure, une demande qu'ils ne peuvent pas refuser, et ensuite, je vais en profiter pour leur demander un petit peu d'argent. On va voir ce que ça donne. Bonjour madame, est-ce que vous pourriez me donner l'heure, s'il vous plaît? Oui. C'est 4h20. 4h20. Est-ce que vous pourriez également me donner 2 francs pour le bus, s'il vous plaît? Non. Tant pis. 25. 4h25. Est-ce que vous auriez juste 2 francs pour le bus? Je sais pas. Dans ce deuxième cas de figure, 40% des passants, soit 4 fois plus que tout à l'heure, sont prêts à donner de l'argent après avoir donné l'heure. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Et un de plus. J'ai pas de monnaie du tout. Désolée. Tant pis. Au revoir. Cette proportion de 40%, on la retrouve dans la plupart des études scientifiques. C'est vrai? C'est gentil. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Eh ben, incroyable, ça marche. J'ai 6 francs dans les mains. Alors la prochaine fois, si vous avez quelque chose à demander à votre femme ou à votre mari, vous avez intérêt à leur demander l'heure d'abord. Chérie, j'ose te demander l'heure, s'il te plaît? Bien sûr, mon ange. Il est 22h35. Merci. J'ose te demander le livre sur les couples qui durent. Je me suis dit que ce serait bien que je le lise aussi. Bien sûr, mon lapin. Tiens, voilà. Merci. Chérie, j'ose te demander encore de... Ben, on peut faire l'amour? Bien sûr, mon trésor. Dans cette autre expérience mise au point par le professeur Joule, on va voir comment on peut inciter un passant à devenir serviable. Au premier acte, Luigi se promène dans une rue déserte et laisse tomber négligemment un billet de 20 francs. But de l'exercice, voir si les passants vont lui rendre le billet. Il court. Lui, en tout cas pas. Et celui-là non plus, de toute évidence. Et si on change de rue? Ah, une femme. Oui, allô? Oui?
Ok, oui. Très bien. Oui. Bien essayé, mais pas très insistante. Non, pas forcément. Il faut dire que selon les recherches scientifiques, dans cette situation où ils ne se sentent pas observés, seuls 20% des passants rendent le billet. Voyons maintenant ce qui se passe si on ajoute une petite technique de manipulation dans l'histoire. Au deuxième acte, on fait intervenir un faux touriste qui demande son chemin. Salut. Tu sais où c'est le pont Bessières? Le pont Bessières, c'est le pont qui est juste là-bas. Okay. Juste ah, le prochain là, c'est pas celui qui est là-bas. Non, c'est ok, c'est cool. Là-bas. Merci, ciao. Pareillement. Cette fois, les passants commencent par rendre un service. Tous acceptent de renseigner le faux touriste. Et lorsqu'ils aperçoivent le billet, leur attitude change. Dans ce cas de figure, les recherches ont montré que 40% des passants rendent l'argent. Merci bien. Au revoir. Tout se passe comme si le premier comportement avait permis à la personne d'établir un lien entre ce qu'elle a fait et ce qu'elle est, à savoir serviable. Elle n'était pas obligée d'expliquer où se trouve la gare, où se trouve le cours Mirabeau, ou la tour Eiffel. Elle n'était pas du tout obligée. Elle l'a fait. Elle ne l'a pas fait pour obtenir une récompense. Elle ne l'a pas fait pour éviter une punition. Et donc, elle va en inférer que finalement, si elle l'a fait, c'est parce qu'elle est quelqu'un de serviable. Et au coin de la rue, voilà une opportunité qui lui permet effectivement de se montrer qu'elle est effectivement serviable. Suivez le pavé. Ok. Descendez. Il est juste... Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Lorsqu'on demande aux gens pourquoi vous avez réagi de cette façon-là, et les gens se drapent dans leur dignité pour vous dire, mais enfin, je suis comme ça. C'est dans ma nature d'eux. Vous voyez, donc il n'y a pas forcément conscience du processus par lequel ils ont été amenés à faire ce qu'ils ont fait. Mais ils en appellent directement à ce qu'ils sont. C'est gentil. En d'autres termes, cessez de croire que vous êtes serviable et demandez-vous plutôt ce qui vous pousse à l'être. Merci beaucoup, madame. C'est gentil. Merci. Quand il s'agit de manipulation, on peut dire que l'habit fait le moine. En effet, si vous voulez augmenter la valeur d'un produit et le vendre plus cher, n'hésitez pas à soigner son emballage. Une expérience a démontré que le même article de journal mis en page dans le Canard à sensation Le Blic ou dans la très respectée NZZ peut être à la fois considéré comme très léger ou au contraire comme très sérieux. Mais s'il y a un domaine où l'emballage compte, c'est celui du vin. Petite expérience de manipulation. Je vous laisse vous asseoir. Bienvenue à l'école hôtelière de Genève. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire déguster 4 pinots noirs de régions différentes. Vous allez les goûter les uns après les autres, me donner votre impression rapide, et puis à la fin, le meilleur des 4 et puis le moins bon. Pour cette dégustation expérimentale, il faut d'abord sélectionner 2 bouteilles contenant des vins très différents. En l'occurrence, un pinot noir suisse-allemand, jeune et peu connu, et un bourgogne millésimé 2005, reconnu pour être un excellent cru. On remplit les 2 bouteilles avec un troisième vin de même cépage, mais d'une toute autre provenance. Le même vin, de qualité moyenne, va donc se retrouver dans les 2 bouteilles, l'une à l'appellation prestigieuse, l'autre de réputation médiocre. Et pour brouiller les pistes, on ajoute 2 autres bouteilles, dont le contenu, cette fois, correspond à l'étiquette. On va commencer par un pinot noir de Suisse alémanique, qui est en 2009. On commence avec une première apprentie dégustatrice. Il est bien de Suisse alémanique, on sent. Vous sentez là. Qui rappelle les terroirs de là-bas. Bon, bah c'est déjà bien parti. Suivante. Moi, je dirais qu'il est très léger. Très léger, comme oui. Le noir. Il n'a pas beaucoup de tanin. Il y a une petite acidité qui me gêne un peu. C'est le premier goût, hein. Il est pas sur le retour. Très bien, on vous fait grâce des appréciations sur le deuxième vin qui nous intéresse moins. Et on passe à la troisième bouteille. Donc le troisième va être un Gevrey Chambertin, un premier cru en Bourgogne, 2005. Ce grand Bourgogne qui, rappelez-vous, est exactement le même vin que celui de la première dégustation. Voilà, il y a tout de suite plus... on sent que c'est autre chose, on sent que c'est un peu plus structuré déjà. Plus de structure, plus ouais, de longueur. Oui, aussi, tout à fait, oui. Oui, je préfère, oui. Préféré. Bon, je pense que c'est dû aussi au millésime 2005, c'est plus vieux.
Moi, je trouve qu'il a un bon équilibre général. En bouche, peut-être un peu plus rond. Donc là, on a quelque chose d'un cran au-dessus. Un cran au-dessus. À mon avis. Donc, 2005 aussi, le millésime, c'est pas mal sur la structure du vin. Le meilleur des quatre serait... Moi, j'ai préféré le troisième. C'est-à-dire le Gevrey-Chambertin. Gevrey-Chambertin. Et puis celui moins bon. Celui qui m'a plus déplu, enfin, moins plu, c'est le Suisse allemand. De 2009, le premier. Donc, officiellement, ouais. Le premier, en 2009. Parfait. Comme Boris, certains étudiants ont à la fois détesté et adoré le même vin. La faute à l'étiquette et à tout ce qu'elle représente. Le premier, c'était un vin de Suisse alémanique. Donc, on peut dire, peut-être des préjugés négatifs parce qu'on ne connaît pas le produit. À l'opposé, le Gevrey-Chambertin, c'est un des vins les plus connus au monde, qu'on soit expérimenté ou pas. Et on va se laisser influencer. Donc on va mettre dès le départ la barre un petit peu plus haut avec cette étiquette. Je pense que tout le monde peut se faire avoir, qu'on soit bon ou mauvais. Et en l'occurrence ici, vous aviez d'excellents étudiants. Mais que ce soit ces étudiants-là ou d'autres personnes, on peut très bien se faire avoir avec cette présentation, cette mise en scène des étiquettes. Bon, allez, il est temps de leur dire la vérité. Mais en réalité, il y avait deux fois le même vin dans ces bouteilles. Qu'est-ce que ça vous fait? C'était vraiment les deux mêmes. Ok. C'est pas possible. Si, c'est possible. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. C'est fou. Ça vous semble fou? Ouais. Ça fait peur un peu. Le manque d'objectivité par rapport à ça est... C'est étonnant. Vous, Boris, vous êtes plutôt du genre influençable dans la vie? Ben, j'ai envie de dire non, mais après ce qui s'est passé à la dégustation, ben, finalement, je pense que je suis un peu comme tout le monde. Je me laisse facilement influencer, surtout au niveau visuel, par les choses. J'essaye de garder un peu d'authenticité dans mes choix, mais c'est pas toujours facile. Et même après avoir découvert la supercherie, nos spécimens ont encore de la peine à croire qu'ils ont dégusté deux fois le même vin. Pour eux, il y avait réellement une différence de goût. Et ça me surprend parce qu'il y avait quand même une différence pour moi entre le premier, donc le Pinot Noir. Le Hallauer suisse-allemand. Exactement, et le Chambertin pour moi était vraiment différent. C'est vrai que j'ai pas l'impression qu'ils avaient vraiment le même goût et le même nez. Ça perturbe un peu. Ce phénomène de goût altéré, Ilke Plassmann le connaît bien. En 2008, cette chercheuse allemande a procédé à une expérience similaire à la nôtre. Sauf qu'elle, elle a testé l'influence non pas de l'étiquette, mais du prix sur l'appréciation d'un vin. Dans son laboratoire de neurosciences, elle a fait goûter le même cru, affiché à des prix différents, à plusieurs spécimens qui ont siroté à l'aide d'un petit tuyau leur verre de rouge dans un scanner. Hilke Plassmann a ainsi pu dépister les réactions cérébrales des dégustateurs et trouver des réponses à ses hypothèses de départ. Nous avions deux hypothèses différentes. L'une était que si le vin est plus cher, on l'apprécie davantage. C'est ce que nous appelons rationaliser. On goûte et on se dit, celui-là est cher. Il devrait donc être meilleur que le vin bon marché. Notre deuxième hypothèse était que la différence de prix peut modifier la perception elle-même du goût. Nous avons découvert que sur un plan neurologique, le prix de la bouteille change véritablement la manière dont les goûteurs perçoivent la saveur du vin. Donc ils ne pensent pas seulement que le vin cher est meilleur, ils le ressentent aussi, parce que la partie de leur cerveau qui détecte les sensations et les saveurs agréables leur en donne le signal neurologique. Votre cerveau est constamment soumis à des influences. À longueur de journée, vous êtes stimulé, sollicité, tenté et même harcelé. Et parfois, quelques mots suffisent à vous faire changer de comportement.
Démonstration pratique dans un couloir de la TSR où nous avons installé une caméra cachée. But de l'opération, reproduire une expérience réalisée aux États-Unis dans les années 90. Pascal Wagner, professeur de psychologie sociale à l'Université de Fribourg, nous a aidés à la mettre en place. Alors on veut voir si le fait de penser à une catégorie de personnes ou à un concept va influencer quelque chose d'aussi automatique que notre vitesse de marche, par exemple. Pour cette expérience, nous avons convoqué plusieurs spécimens et à leur insu, nous les avons filmés en mesurant le temps qu'ils ont mis à parcourir ce couloir avant de rejoindre une salle où ils devaient remplir un questionnaire. Léo, par exemple, a pris 15 secondes pour parcourir ce trajet. Pendant 5 minutes, il avait pour consigne d'écrire tout ce qui lui passait par la tête en relation avec les personnes âgées. Le but de l'exercice étant de le pousser à s'immerger dans le monde de la vieillesse. Une fois l'exercice terminé, nous avons calculé le temps que Léo a passé pour parcourir le couloir dans l'autre sens. Résultat, 16 secondes et 15 centièmes. Il a donc ralenti le pas au retour. Et même si elle est minime, cette différence est significative. Elle n'est pas l'effet du hasard. L'exercice a été répété plusieurs fois et la plupart des personnes testées ont marché plus lentement sur le trajet du retour. Le fait de penser aux personnes âgées va forcément nous faire penser à des choses stéréotypiques des personnes âgées. Quand on pense aux personnes âgées, ben on pense plutôt à par exemple, à lenteur de déplacement. Et donc, le fait de penser à cette lenteur aurait un effet direct sur notre comportement, un effet inconscient. Le fait d'évoquer la lenteur nous ferait nous-mêmes nous déplacer plus lentement. Le simple fait de penser à des personnes âgées a donc modifié le comportement de nos spécimens. Changeons maintenant les données du jeu. Et regardons ce qui se passe si on remplace le questionnaire sur la vieillesse par un questionnaire sur la vitesse des athlètes et des sprinters. À bientôt. Ok, merci, au revoir. Vanessa avait mis 17 secondes à l'aller. Combien de temps va-t-elle prendre au retour? Deux secondes de moins. Cette fois aussi, nous avons répété l'exercice plusieurs fois. Et aussi fou que cela puisse paraître, selon les questionnaires qu'ils ont reçus, nos spécimens se sont transformés en vieillards ou en sprinters. Hey, il fait attention, non ? Ça garde mal ! C'est tous des effets qui sont très étonnants, alors qu'ils ne sont pas de trop longue durée, heureusement. Et par exemple, ou de penser à l'agressivité. Ça nous rend un peu plus agressifs. De penser au chaud ou au froid, ça change un peu notre évaluation des autres. On les perçoit comme plus chaleureux ou plus froids, justement. Et donc, c'est tout à fait étonnant, ces effets de nous penser sur notre comportement. D'abord parce qu'ils sont inconscients, donc on remarque pas du tout ces influences-là. Et elles peuvent être nombreuses. Et c'est étonnant aussi dans notre société un peu individualiste, où on a l'impression que l'individu est responsable de ses actes, est maître et responsable. Et là, ça montre que pratiquement chaque pensée qui nous vient de l'extérieur peut nous influencer quand même. C'est presque inquiétant d'imaginer ça. Alors oui, ça pourrait, dans un régime effectivement dictatorial où l'amorçage devient des slogans qui sont toujours les mêmes et à toute heure du jour et de la nuit, bien sûr que ça pourrait avoir des effets beaucoup plus grands.
La publicité est bien entendu le domaine où l'influence joue un rôle capital. Influencer le consommateur, le pousser à acheter telle ou telle marque plutôt qu'une autre, voilà le défi de toute campagne publicitaire. Aujourd'hui, les spécialistes savent que pour vendre un produit, il est quasi inutile d'avancer des arguments rationnels, mais qu'il faut plutôt toucher nos émotions. Les subtilités de la pub n'ont plus de secret pour Martin Lindström. Ce jeune quadra danois, virtuose en marketing, est devenu le gourou des plus grandes marques de la planète. Coca-Cola, Nestlé ou encore Microsoft font régulièrement appel à lui. Lindström est un adepte du neuromarketing. Et pour savoir ce que vous pensez, vous les consommateurs, il ne recourt ni aux sondages, ni aux statistiques. C'est votre cerveau qui l'intéresse. Plus nous arriverons à comprendre précisément le comportement inconscient, plus ce sera facile de contrôler les préférences des consommateurs pour une marque plutôt que pour une autre. Pour observer l'impact des pubs dans la tête des consommateurs, Martin Lindström s'est servi d'un électroencéphalogramme. Il a mesuré la réaction cérébrale de dizaines de téléspectateurs qui regardaient la version américaine de La Nouvelle Star. Une émission sponsorisée par plusieurs marques qui cherchaient à se profiler. Pour certaines, ça a été le bide. Ford était en fait la marque qui a le moins bien réussi. Pourquoi? Eh bien, c'est très intéressant. D'abord, on se demande ce qu'une voiture a à faire avec un concours de chant. Tout à coup, les téléspectateurs voient une voiture au milieu du show et ils pensent « mais ça n'a rien à voir ». Et chose intéressante, cette pensée n'apparaît pas dans la partie consciente de leur cerveau, mais dans leur inconscient. C'est presque comme s'ils se disaient « hé, je suis en train de regarder une émission en ce moment, pourquoi diable doit-elle être interrompue par une voiture ?» Alors le cerveau se dit à lui-même, comment est-ce que je peux me débarrasser de cette information? Et il se débarrasse du nom de la marque Ford. Ce résultat de notre recherche était choquant pour Ford, parce que nous avons découvert que le cerveau a littéralement gommé la marque, car il ne voulait pas que l'émission soit interrompue. À la poubelle donc, les 26 millions de dollars investis par Ford. Alors que Coca-Cola, plus discret, a brillamment réussi sa campagne. Ils ont placé des indices subliminaux dans le décor. On voyait Simon Cowell en train de lever un verre de Coca en faisant « ah ». Ou on apercevait un canapé avec une forme bizarre correspondant au galbe arrondi de la bouteille de Coca, ce qui est la signature de la marque. Ils plaçaient donc systématiquement ces formes arrondies dans le décor pour que, de manière inconsciente, on se dise tout d'un coup « hé, j'ai vraiment envie d'un Coca », mais sans savoir pourquoi. Et le fait de ne pas savoir nous rend moins sceptiques, et ainsi il y a plus de chances qu'on court vers le frigo pour y prendre un Coca. La publicité allusive peut être diablement efficace. Martin Lindström l'a expérimenté lui-même. Nous avons fait une expérience avec une marque de cigarettes connue. Nous avons installé deux affiches dans Los Angeles. Sur l'une, il y avait un cow-boy qui regardait le paysage. Sur la deuxième affiche, il y avait le même cow-boy, mais cette fois-ci avec le nom de cette marque. Et devinez ce qui s'est passé. Avec le logo, l'impact publicitaire était deux fois moins efficace que sans le logo. On sait donc aujourd'hui que si on vous dit le nom d'une marque, vous êtes moins influencé parce que vous devenez méfiant. Vous vous dites « hey, ils veulent me persuader d'acheter plus, mais je ne veux pas ». Mais en voyant le cow-boy, vous pensez « hey, j'ai envie d'une cigarette ». Et dans ce cas, vous êtes sous influence. Les pubs les plus percutantes au monde sont des pubs sans logo. Par exemple, les écouteurs blancs. Il suffit de les regarder pour savoir que c'est un iPod, que c'est Apple. Ce qui va arriver à l'avenir, c'est que les marques vont être dissimulées. Les produits ne vous diront pas qui ils sont. Vous le devinerez. Et quand vous le devinez, il arrive deux choses. D'abord, votre filtre de scepticisme baisse. Et ensuite, vous êtes en interaction avec le produit. Quand vous êtes en interaction, vous vous souvenez de beaucoup plus de choses que si vous êtes juste un observateur passif. À l'avenir, le logo va donc disparaître et les symboles vont prendre le dessus. L'odeur de la voiture, la sonnerie du téléphone, le toucher de la télécommande et toutes ces choses vont raconter une histoire indirecte sur la marque et c'est vous qui allez deviner qui c'est. On fait disparaître les logos et on fait appel à d'autres sens que l'ouïe ou la vue. Désormais, c'est votre odorat qu'on titille. Exemple, dans un supermarché. Les grandes surfaces ne placent pas la boulangerie près de l'entrée parce que c'est la meilleure place pour y faire du pain.
En réalité, c'est le pire endroit du point de vue opérationnel. Mais sur le plan sensoriel, c'est un endroit idéal. Parce que l'odeur du pain qui sort du four est irrésistible. L'odeur est le seul stimulus sensoriel qui contourne la partie rationnelle de notre cerveau. Il touche directement aux émotions. On ne peut pas y résister. On se dit, je commence à avoir faim. Et évidemment, plus on a faim, plus on achète. Lutter contre l'influence de la pub, c'est la bataille de David contre Goliath. Et dans cette histoire, David s'appelle Rémi Douatte et il vit à Paris. Moi, en tant que passant, en tant que citoyen, en tant qu'individu dans la ville, je me sens agressé par cette publicité. Moi, je ne suis pas un anti-pub fervent. Je trouve que c'est normal de communiquer sur ce que chacun dans la cité fait. Voilà. Et parmi ces choses, il y a des produits, donc on communique sur ces produits. Mais là, on a passé, depuis de nombreuses années maintenant, une étape supérieure où tout est communication et tout est publicité. Lorsqu'il se promène en ville, Rémi a l'habitude de passer tout droit devant les vitrines qui pourraient le séduire. Mais pour nous, et à titre exceptionnel, il s'est arrêté devant l'une d'entre elles, histoire de nous expliquer sa vision des choses. Ce qu'on voit simplement dans cette vitrine, en regardant comme ça, c'est que c'est très peu cher. Et le peu de qualité, entre guillemets, du décor, peut donner l'impression que, en effet, ça va être un magasin pas cher et qu'on a tout intérêt à rentrer là-dedans. En fait, on est très tenté de rentrer. D'ailleurs, nous aussi, on était tenté de rentrer, mais avec une caméra, ça n'a pas été possible. Le magasin veut protéger ses techniques de vente bien rodées. C'est donc Rémi qui va nous en parler sur le trottoir. C'est en fait une technique d'identification poussée à son maximum, où en fait on a affaire non pas à des vendeurs, mais on a affaire à des potes qui sont des individus, qui sont tous fringués différemment et qui ont des cheveux voilà, qui pourraient me ressembler, qui l'un va avoir un piercing, l'autre va avoir une crête sur la tête et on va se dire... Je peux me reconnaître dans celui-là, pas dans celui-là, mais dans celui-là, je me reconnais. Alors que dans un magasin où on aura une homogénéité chez les vendeurs, si vous ne vous reconnaissez pas, ils ne sont pas de votre bande. Donc une distance automatique, il y a une distance automatique qui se crée. Et là, ce qui se joue, c'est tout différent. C'est quelque chose de l'ordre de la proximité immédiate. Je me sens manipulé, mais je résiste. Quoi. Je résiste. Alors, c'est une démarche personnelle qui consiste à se dire « attention ». Qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Et qu'est-ce que j'en fais? C'est une lutte, voilà. C'est une lutte pour que cet acte d'achat soit le plus possible le fruit de mon désir et de mon choix, et non pas qu'on m'impose d'avoir des désirs qu'en réalité je n'ai pas. Par exemple, l'iPhone qui envahit aujourd'hui le marché, on voit bien que l'esthétique de la communication de la marque qui fait ça m'est tout à fait destinée, enfin à moi et mes contemporains, on est un certain nombre à être la cible de ça. Et ça me met en colère, parce que je me reconnais dans ce qu'ils font. Jusqu'à présent, j'ai toujours pas acheté, ni l'iPhone, ni l'iPad. Je me reconnais dans ce qu'ils font. Autour de moi, on me dit, t'as toujours pas d'iPhone, t'as toujours pas d'iPad. Donc c'est de la publicité en rhizome, ça c'est de la publicité rampante, en fait, et dont, en fait, mes prochains, dont les concitoyens, mes voisins, sont les relais, eux aussi. Donc là, vous êtes tenté. Oui, je suis tenté. Ouais. J'avais beaucoup d'affection pour la publicité d'il y a 50 ans. Acheter le savon, blabla. Je trouvais ça très bien. Quand ça presse, quand ça presse, quand ça presse, pour toute la lessive entre deux, quand ça presse, c'est avec Express Liquide que ça va le plus vite. Parce que c'est déjà liquide. Express Liquide pour le lavabo et aussi pour la machine à laver. Une publicité a atteint son but si on se souvient d'elle, si elle reste marquée dans notre mémoire. La mémoire, c'est justement un espace qu'on a cru pendant longtemps inviolable. Mais en réalité, aujourd'hui, les chercheurs savent que nos souvenirs sont malléables et qu'il est donc possible de les manipuler. Le professeur Martial van der Linden de l'Université de Genève est un des quelques spécialistes mondiaux de la mémoire et de ses mécanismes. Ce que j'ai en mémoire, est-ce que c'est quelque chose que j'ai imaginé ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai réellement vécu ? Le professeur van der Linden a mis au point une expérience qui prouve combien il est facile de confondre la réalité avec l'imaginaire.
On projette à des spécimens plusieurs mots de la même famille, par exemple des vocables associés à l'idée de montagne, mais sans jamais leur montrer le mot montagne. On leur demande ensuite s'ils se souviennent des mots qu'on leur a présentés, et cette fois-ci, on y inclut le mot montagne. Au final, la plupart des spécimens se disent certains d'avoir vu ce mot. En ayant vu les différents mots reliés au mot montagne qui n'a pas été présenté, la personne, elle a généré, ou le mot a été associé automatiquement, elle a vu une montagne où elle a associé tout ça au mot montagne. Et ultérieurement, elle ne peut pas faire la distinction entre ce qu'elle a imaginé et ce qu'on lui a présenté. Et d'une certaine manière, elle l'a en mémoire, puisqu'elle l'a généré. De quoi remettre en question l'idée d'une mémoire infaillible. La plupart des chercheurs actuellement dans le domaine de la mémoire considèrent effectivement que la mémoire, c'est un processus de construction. Quand on met en mémoire, on construit un souvenir en fonction de nos croyances, de nos valeurs, de nos buts, de nos conflits. Et de la même manière, quand on récupère un souvenir, on va récupérer ce qui correspond à nos buts, nos croyances, nos valeurs. Donc c'est vraiment un processus de construction. On est loin de la métaphore de l'ordinateur ou de l'appareil photographique. Vous voulez dire quoi, du disque dur qu'on aurait... Voilà, on construit nos souvenirs. Une chercheuse américaine a poussé l'exercice plus loin. Elle a réussi à implanter sciemment dans la mémoire de plusieurs personnes le souvenir d'événements qui ne s'étaient jamais produits. L'une des choses qui m'a impressionnée, c'est que lorsque nous avons essayé d'implanter des souvenirs totalement faux dans la tête des gens, j'ai pu constater à quel point c'était facile à faire. Par exemple, nous avons réussi à faire croire à des gens que lorsqu'ils avaient 5 ou 6 ans, ils s'étaient perdus dans un centre commercial, en leur mentionnant un lieu précis et en citant des personnes présentes. Nous avons réussi à ce que ces gens se souviennent de cette expérience qui était totalement inventée. Et pour y parvenir, nous leur avons dit que leur mère ou leur père nous avait raconté ce qui leur était arrivé quand ils avaient 5 ou 6 ans. Et nous leur avons demandé ce dont ils se souvenaient. Ensuite, nous leur avons raconté quelques détails de cette histoire inventée, cette expérience de s'être perdu, d'avoir peur, d'avoir pleuré, et puis d'avoir été retrouvés et remis à leur famille. Quand nous avons fait ça pour la première fois dans les années 90, une personne sur quatre a cru à notre histoire et s'est mise à se souvenir partiellement ou totalement de cet événement inventé. Dans une autre expérience, des chercheurs ont emprunté une photo tirée de l'album familial de plusieurs spécimens. À partir de cette image et grâce à un montage, ils ont créé de toutes pièces une photo représentant un tour en montgolfière. Quelques jours après, les scientifiques ont demandé aux spécimens de se replonger dans leur enfance et de commenter leur album. En voyant la photo truquée, une bonne partie d'entre eux se sont souvenus de leur voyage en montgolfière alors que celui-ci n'avait jamais eu lieu. Et plus étonnant encore, ils l'ont raconté avec de nombreux détails. Nous avons donné un nom à ce phénomène. C'est une inflation de l'imagination. Parce que notre recherche a démontré qu'en incitant, par exemple, des gens à imaginer qu'ils étaient tombés quand ils étaient petits et avaient cassé une vitre avec leurs mains, on les amène à être plus confiants et à croire plus tard que cet événement est réellement arrivé. C'est donc à ça que peut aboutir l'imagination. Et lorsqu'on demande plus tard à ces gens s'ils ont cassé une fenêtre, ça résonne en eux comme quelque chose de familier. Ils croient que c'est vraiment arrivé. Mais cette familiarité est due au fait qu'on leur a fait imaginer cet événement en les aidant à construire ce processus imaginaire. Nous avons essayé, nous aussi, d'implanter un faux souvenir dans la tête de quelques spécimens avec lesquels nous avions tourné une séquence dans un cinéma. Quelques mois plus tard, nous les avons invités à un apéritif. À cette occasion, nous leur avons raconté une fausse anecdote soi-disant survenue lors du tournage. Nous leur avons fait croire que Luna, une petite fille devenue notre complice pour l'occasion, était présente dans le cinéma ce jour-là. Moi, je me souviens de toi, Luna. Et qu'elle avait renversé du café sur le pantalon de Luigi. Heureusement, tu te rappelles toi aussi.
Au cinéma. Quoi, vous étiez là, vous, quand Luna nous servait les cafés, puis c'est avant qu'on tourne, quoi. C'était la honte. On a renversé le truc. Pour bien implanter ce faux souvenir dans leur mémoire, nous avons utilisé une vraie photo du tournage, mais en y ajoutant la petite Luna. Durant l'été, nous avons envoyé ce photomontage parmi d'autres photos souvenirs à nos spécimens. À l'automne, nous leur avons demandé de nous raconter quelques anecdotes sur le tournage. Bonjour. La présence de la petite Luna allait-elle faire partie de ses souvenirs, notre expérience a-t-elle marché? Quand je suis arrivée, elle devait être à la caisse. Donc je l'ai juste aperçue. Elle était dans la cage à l'entrée, où il y avait les biscuits, où on servait les cafés. Hein. Mais après, je ne me rappelle vraiment pas. Caroline, elle, ne se souvient pas de la tache de café, mais elle garde un souvenir très précis de Luna. Alors, Luna, je m'en souviens plutôt comme une petite fille un peu timide. Je ne l'ai pas personnellement beaucoup côtoyée pendant cette journée-là. Je me souviens d'elle quand elle est entrée dans le cinéma. Et je me souviens d'elle parce qu'elle voulait se rendre utile en aidant à distribuer les cafés. Donc elle a été rejoindre Chloé dans la petite cuisine et à la cafetière. Et par la suite, je l'ai personnellement pas beaucoup vue, mais je me souviens d'un moment en fait où elle était un peu recroquevillée vers Chloé, un peu. Donc je l'ai sentie assez timide en fait. Et c'est l'image que j'en ai gardée d'elle. C'était une petite fille, visage un peu triste, en tout cas un peu fermé vers la machine à café. Durant cette interview, ce qu'on a essayé de faire avec vous, c'est de vous faire rappeler d'un souvenir qui est faux. Parce que la petite fille qui est sur cette photo, c'est un photomontage. Il n'y a jamais eu de petite fille ce jour-là au cinéma. J'y crois pas. On l'a inventée de toutes pièces, cette petite fille. Et peu à peu, vous êtes arrivée à vous en souvenir. C'est hallucinant. Si c'est vrai, je tombe des nues. Et je me rends compte à quel point on est manipulé. Et là, ça me vexe un petit peu, en fin de compte. Si c'est vraiment vrai, je ne sais plus trop où est la vérité de la fiction. Et je suis impressionnée de voir à quel point on peut croire à une histoire aussi facilement. C'est-à-dire que la manière dont ça a été discuté, qu'on en a reparlé, pour moi, ça avait vraiment eu lieu, même si je ne l'avais pas vu moi-même. Et heureusement que je n'ai pas essayé de faire croire que je l'avais vu moi-même, parce que sinon je me sentirais encore plus mal. Mais c'est comme si vous vous en rappeliez de cette petite fille, ouais, ce jour-là. Complètement, tout à fait. Et j'ai vraiment l'impression... Mais non, elle était là, je suis sûre qu'elle était là. Parce que je la revois vraiment vers la machine à café, donc j'ai vraiment cette image extrêmement présente à l'esprit. Donc j'ai de la peine à imaginer qu'elle puisse ne pas avoir été là ce jour-là. Pour vous, elle était là? Pour moi, elle était là. Comme Caroline, personne n'est à l'abri d'un faux souvenir. Et votre mémoire en est certainement pleine. Vous pouvez donc vous demander comment faire pour distinguer un souvenir réellement vécu d'un souvenir inventé. L'une des choses les plus difficiles à accepter concernant notre mémoire, c'est que, sans vérification, il n'y a aucun moyen valable de savoir si un souvenir est vrai ou s'il est produit de l'imagination, des rêves ou d'un autre processus. Alors si on trouve un événement objectif qui prouve que le souvenir est faux, par exemple une impossibilité sur le plan géographique, biologique ou psychologique, alors on sait que ce souvenir est inexact. Mais sans cet événement objectif, il est quasiment impossible de faire la différence entre un vrai souvenir et un faux. On peut donc aisément manipuler la mémoire, mais plus surprenant encore, il est aujourd'hui possible de modifier le comportement de quelqu'un en stimulant son cerveau. C'est l'exploit qu'a réalisé Daria Knorr, professeur au département de psychologie sociale et affective
de l'université de Bâle. Cette neuroscientifique de réputation internationale connaît de près les méandres du cortex préfrontal latéral, une zone qui joue un rôle important dans la prise de décision. Daria Knorr a mis au point une technique permettant de désactiver temporairement cette zone, donc d'influencer directement votre comportement et vos décisions. Nos recherches démontrent clairement, nous l'avons constaté à travers 9 études, que lorsque nous stimulons une zone bien précise sur la partie frontale du cerveau, les gens peuvent changer de comportement en devenant par exemple plus impulsifs ou moins corrects. Et on peut agir aussi sur d'autres dimensions du comportement. Démonstration concrète avec un jeu d'argent auquel participent par ordinateur une douzaine de spécimens. Ils reçoivent tous une certaine somme d'argent qu'ils doivent partager avec un autre joueur placé dans une pièce annexe, appelons-le Max, à qui ils font une proposition de répartition. Si l'offre est injuste, inéquitable, Max va généralement la refuser. Et personne ne reçoit l'argent. Lorsqu'on est confronté à une offre inéquitable, on est face à un conflit. D'un côté, on aimerait avoir l'argent, mais de l'autre, on trouve l'offre tellement injuste qu'on a envie de la refuser pour punir celui qui la propose. On est donc face à ce dilemme et on le résout en punissant celui qui viole les règles établies en faisant une offre inéquitable. Mais pour le punir, il faut pouvoir contrôler ses propres pulsions égoïstes et rejeter l'offre, donc renoncer à avoir l'argent. Au nom de l'équité, Max se prive donc d'un peu d'argent et il inflige une punition à l'autre joueur qui sera aussi privé d'argent. Mais ça se passe très différemment si on intervient directement dans le cerveau de Max et qu'on lui administre à travers le crâne des stimulations magnétiques. Une intervention que Daria Knorr a reconstituée pour nous. Indolore et non invasive, les impulsions magnétiques pénètrent dans le cortex préfrontal et en neutralisent une petite zone. Dès lors, le comportement de Max sera totalement modifié. Il ne prendra plus les mêmes décisions. Après la stimulation, il accepte toutes les offres de partage, même les plus inéquitables. La personne testée reçoit des impulsions qui désactivent temporairement les fonctions de la partie frontale du cerveau. Cette personne n'est ainsi plus capable de punir l'autre, elle veut l'argent pour elle, très égoïstement. Et ça lui est complètement égal de savoir si le comportement des autres est équitable ou pas. Après cette intervention, Max est donc devenu égoïste. Mais rassurez-vous, ce changement de comportement n'a été que très éphémère, puisqu'au bout d'une quinzaine de minutes, Max est redevenu lui-même. De telles manipulations du cerveau ont de quoi faire frémir. Utilisées dans un but malveillant, elles favoriseraient les pires applications. Mais elles peuvent aussi servir à des fins thérapeutiques. En stimulant certaines zones du cortex, il est possible de limiter les addictions, d'atténuer les troubles alimentaires ou les toxicomanies. Et les techniques d'influence mises au point par les psychologues sociaux sont aujourd'hui utilisées dans des campagnes de santé publique. Par exemple, pour inciter les gens à se faire vacciner ou à faire don de leurs organes. La manipulation n'est donc qu'un outil, tout dépend comment on s'en sert. Nous voici arrivés à la fin de l'émission. J'espère qu'elle vous aura permis d'être un tout petit peu plus conscient de toutes les sollicitations auxquelles nous sommes confrontés à longueur de journée. Et comme disait l'autre, un homme averti en vaut deux. Pour ceux qui veulent revoir l'émission ou avoir des compléments d'information, vous pouvez retrouver Spécimen sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Votre prochaine émission sur le comportement humain, c'est le mois prochain. Nous allons observer de très près notre rapport à l'argent. Excellente soirée à tous, à bientôt.
Influencer le consommateur, le pousser à acheter telle ou telle marque plutôt qu'une autre, voilà le défi de toute campagne publicitaire. Aujourd'hui, les spécialistes savent que pour vendre un produit, il est quasi inutile d'avancer des arguments rationnels, mais qu'il faut plutôt toucher nos émotions. Les subtilités de la pub n'ont plus de secret pour Martin Lindström. Ce jeune quadra danois, virtuose en marketing, est devenu le gourou des plus grandes marques de la planète. Coca-Cola, Nestlé ou encore Microsoft font régulièrement appel à lui. Lindström est un adepte du neuromarketing. Et pour savoir ce que vous pensez, vous les consommateurs, il ne recourt ni aux sondages, ni aux statistiques. C'est votre cerveau qui l'intéresse. Plus nous arriverons à comprendre précisément le comportement inconscient, plus ce sera facile de contrôler les préférences des consommateurs pour une marque plutôt que pour une autre. Pour observer l'impact des pubs dans la tête des consommateurs, Martin Lindström s'est servi d'un électroencéphalogramme. Il a mesuré la réaction cérébrale de dizaines de téléspectateurs qui regardaient la version américaine de La Nouvelle Star. Une émission sponsorisée par plusieurs marques qui cherchaient à se profiler. Pour certaines, ça a été le bide. Ford était en fait la marque qui a le moins bien réussi. Pourquoi ? Eh bien, c'est très intéressant. D'abord, on se demande ce qu'une voiture a à faire avec un concours de chant. Tout à coup, les téléspectateurs voient une voiture au milieu du show et ils pensent « mais ça n'a rien à voir ». Et chose intéressante, cette pensée n'apparaît pas dans la partie consciente de leur cerveau, mais dans leur inconscient. C'est presque comme s'ils se disaient « hé, je suis en train de regarder une émission en ce moment, pourquoi diable doit-elle être interrompue par une voiture ?» Alors le cerveau se dit à lui-même, comment est-ce que je peux me débarrasser de cette information? Et il se débarrasse du nom de la marque Ford. Ce résultat de notre recherche était choquant pour Ford, parce que nous avons découvert que le cerveau a littéralement gommé la marque, car il ne voulait pas que l'émission soit interrompue. À la poubelle donc, les 26 millions de dollars investis par Ford. Alors que Coca-Cola, plus discret, a brillamment réussi sa campagne. Ils ont placé des indices subliminaux dans le décor. On voyait Simon Cowell en train de lever un verre de coca en faisant « ah ». Ou on apercevait un canapé avec une forme bizarre correspondant au galbe arrondi de la bouteille de coca, ce qui est la signature de la marque. Il plaçait donc systématiquement ces formes arrondies dans le décor pour que, de manière inconsciente, on se dise tout d'un coup « hé, j'ai vraiment envie d'un coca », mais sans savoir pourquoi. Et le fait de ne pas savoir nous rend moins sceptiques, et ainsi il y a plus de chances qu'on court vers le frigo pour y prendre un coca. La publicité allusive peut être diablement efficace. Martin Lindström l'a expérimenté lui-même. Oui, bon, bah, finalement, d'accord. Très bien. Je ferai un régime demain. Il nous faut des hommes qui jouent le jeu dans cette manif, sinon il n'y aura pas de photos dans la presse. Enfin, je ne vais pas te forcer, hein. Tu es tout à fait libre d'accepter ou non. Mais là également, ce qui est utilisé, c'est une technique qu'on connaît bien, qu'on appelle le « vous êtes libre d'eux », et qui consiste à doter d'un statut de décideur, de sujet libre, la personne dont on recherche le concours. Alors on peut utiliser des formules comme « évidemment, vous êtes libre ». Mais on peut également utiliser d'autres formules, comme « surtout ne vous sentez pas obligé » ou « c'est à vous de décider, c'est à vous de voir ». Dans tous les cas, on a le même résultat. Les gens déclarés libres se soumettent davantage. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils font librement ce que vous souhaitez les voir faire et qu'ils n'auraient pas fait spontanément. Oh, d'accord, c'est vraiment pour te faire plaisir. Voilà la décision. Vous connaissez l'expression « donnant, donnant ». Le serveur ne fait rien d'autre qu'activer une norme de réciprocité. Il fait quelque chose pour vous qu'il n'était pas obligé de faire et il attend en retour de vous quelque chose que vous n'étiez pas obligé de faire. Qu'est-ce que je laisse comme pourboire ? 4 francs ? Allez, 5. Les petites techniques de manipulation sont omniprésentes dans le commerce. Le vendeur sait par exemple que l'acheteur est plus sensible à une baisse de prix affichée en pourcentage qu'en valeur absolue. Autre exemple, certaines marques de voitures diffusent un parfum sentant la voiture neuve dans leur voiture justement neuve pour qu'elles sentent encore plus cette odeur si typique de voiture neuve. Les clients adorent ça.
On est dans un pays qui passe son temps à compter, mais on n'a jamais. Et à propos de clients, Sophia, vous la reconnaissez, c'est la journaliste très rationnelle de l'émission économique de la TSR. Elle passe ses journées à parler chiffres, budgets et autres comptes transitoires. Eh bien, une fois la porte du boulot fermée, ses envies et ses passions lui font perdre la raison. Exemple, lors d'une soirée de vente à domicile entre copines. Moi, j'étais partie en me disant, je vais dépenser maximum 200 francs. Ce qui me semblait déjà une coquette somme pour des bougies. Hein. Puis quand je suis passée à la caisse, bah, j'en avais pour, je crois, 450 francs. Mais comment Sophia en est-elle arrivée à dépenser deux fois plus que prévu? Tout s'est passé selon un scénario bien rodé. Sans s'en rendre compte, Sophia s'est peu à peu retrouvée dans un engrenage qui l'a poussée à en acheter beaucoup. Est-ce que vous identifiez à un moment une forme de mise sous influence subtile du groupe ou de la vendeuse? Du groupe, à l'évidence. C'est inconscient, évidemment. Mais quand vous vous ouvrez à une amie en lui disant « Écoute, mais là je crois que j'ai pas mal dépensé, mais j'ai encore envie de ce truc, là, de cette huile de massage, elle a l'air bien, la vanille et tout. Bah, » la copine, qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce qu'elle vous veut du bien. Et moi j'ai fait la même chose pour d'autres. Bah, rachète, allez au point où tu en es. 15 secondes, 2 secondes de moins. Cette fois aussi, nous avons répété l'exercice plusieurs fois. Et aussi fou que cela puisse paraître, selon le questionnaire qu'ils ont reçu, nos spécimens se sont transformés en vieillards ou en sprinters. Hey, il fait attention, non ? Ça tarde là ! C'est tous des effets qui sont très étonnants, alors qu'ils ne sont pas de trop longue durée, heureusement. Et par exemple, ou de penser à l'agressivité. Et ça nous rend un peu plus agressifs, de penser au chaud ou au froid, ça change un peu notre évaluation des autres. On les perçoit comme plus chaleureux ou plus froids, justement. Et donc c'est tout à fait étonnant ces effets de nous penser sur notre comportement. D'abord parce qu'ils sont inconscients, donc on remarque pas du tout ces influences-là. Et elles peuvent être nombreuses. Et c'est étonnant aussi dans notre société un peu individualiste où on a l'impression que l'individu est responsable de ses actes, est maître et responsable. Et là, ça montre que pratiquement chaque pensée qui nous vient de l'extérieur peut nous influencer quand même. C'est presque inquiétant d'imaginer ça. Alors oui, ça pourrait, dans un régime effectivement dictatorial où l'amorçage devient des slogans qui sont toujours les mêmes et à toute heure du jour et de la nuit, bien sûr que ça pourrait avoir des effets beaucoup plus grands. La publicité est bien entendu le domaine où l'influence joue un rôle capital. Influencer le consommateur, le pousser à acheter telle ou telle marque plutôt qu'une autre, voilà le défi de toute campagne publicitaire. Aujourd'hui, les spécialistes savent que pour vendre un produit, il est quasi inutile d'avancer des arguments rationnels, mais qu'il faut plutôt toucher nos émotions. Les subtilités de la pub n'ont plus de secret pour Martin Lindström. Ce jeune quadra danois, virtuose en marketing, est devenu le gourou des plus grandes marques de la planète. Coca-Cola, Nestlé ou encore Microsoft font régulièrement appel à lui. Lindström est un adepte du neuromarketing. Et pour savoir ce que vous pensez, vous les consommateurs, il ne recourt ni aux sondages, ni aux statistiques. C'est votre cerveau qui l'intéresse. Plus nous arriverons à comprendre précisément le comportement inconscient, plus ce sera facile de contrôler les préférences des consommateurs pour une marque plutôt que pour une autre. Pour observer l'impact des pubs dans la tête des consommateurs, Martin Lindström s'est servi d'un électroencéphalogramme. Il a mesuré la réaction cérébrale de dizaines de téléspectateurs qui regardaient la version américaine de la nouvelle. Sophia s'est peu à peu retrouvée dans un engrenage qui l'a poussée à en acheter beaucoup. Est-ce que vous identifiez à un moment une forme de mise sous influence subtile du groupe ou de la vendeuse? Du groupe, à l'évidence. C'est inconscient, évidemment. Mais quand vous vous ouvrez à une amie en lui disant « Écoute, mais là je crois que j'ai pas mal dépensé, mais j'ai encore envie de ce truc, là, de cette huile de massage, elle a l'air bien, la vanille et tout. Bah, » la copine, qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce qu'elle vous veut du bien. Et moi j'ai fait la même chose pour d'autres. Bah, achète, allez au point où tu en es, achète. Et puis le rôle de la vendeuse dans cette séance-là en particulier, mais finalement elle est assez effacée, elle crée un décorum
Et ensuite, elle laisse que les choses se passent. Et de temps en temps, par petites touches comme ça, elle s'approche de quelqu'un qui est en train de lorgner du côté du catalogue et puis elle lui donne un petit renseignement. Là, elle vient vers vous et elle vous propose encore un petit quelque chose. Mais ce n'est pas très appuyé comme démarche. Donc vous n'avez pas l'impression qu'elle vous pousse à la consommation. Même si quelque part, elle le fait, évidemment. Et ça n'est pas tout, car si Sophia aime les bougies, elle adore le maquillage. Une amie m'avait offert un bon pour une séance de maquillage à mon domicile. J'étais avec ma mère. Et puis cette jeune fille est venue avec une petite mallette. Elle était la représentante d'une marque de cosmétiques connue. Et d'abord, elle m'a fait un maquillage et je me trouvais, mais canon. Puis ensuite, elle m'a dit, mais vous pouvez acheter les produits. Oh, ben ça c'est bien. Alors, et alors là, la fille était vraiment active. Elle a dû flairer le pigeon. Et alors, elle me disait, voyez, Sophia, par exemple, le crayon blanc, ça fait, si vous voulez avoir l'œil plus grand, alors je dis, oui, je veux avoir l'œil plus grand. Ah ben, il faut acheter ce crayon blanc. Et alors, j'achète le crayon blanc. Voyez, Sophia, ce mascara, alors comme celui-là, il n'y en a pas d'autre. Et j'ai envie de la croire à ce moment-là. Alors ne me demandez pas qu'est-ce qui vous pousse à la croire. Je ne sais pas très bien, mais j'ai envie de la croire à ce moment-là. Et je me dis que si j'achète ce mascara, j'aurai le cil plus long. Et donc je plonge. Et je me suis retrouvée avec une ardoise de 800 et quelques francs. Avec une mère décomposée à côté de moi qui me disait ma fille est folle, ma fille est folle. Et j'étais un peu folle. Ouais. Pousser une acheteuse comme Sophia à mettre le doigt dans l'engrenage de la dépense, ça relève d'une habile technique de persuasion. Une technique qui a été décortiquée dans les années 60 par des psychosociologues américains. Hello, the Johnson residence. Ils se sont livrés à une expérience devenue fameuse. Ils ont d'abord appelé au hasard des dizaines de femmes au foyer. How many brands of soap do you use? Et ils leur ont demandé de répondre à quelques questions simples sur leurs habitudes de consommation. Dans la technique, on l'appelle le pied en la porte. Son principe est relativement simple, obtenir peu dans un premier temps pour essayer d'obtenir davantage dans un deuxième temps. On demande... Lorsqu'on est confronté à une offre inéquitable, on est face à un conflit. D'un côté, on aimerait avoir l'argent, mais de l'autre, on trouve l'offre tellement injuste qu'on a envie de la refuser pour punir celui qui la propose. On est donc face à ce dilemme et on le résout en punissant celui qui viole les règles établies en faisant une offre inéquitable. Mais pour le punir, il faut pouvoir contrôler ses propres pulsions égoïstes et rejeter l'offre, donc renoncer à avoir l'argent. Au nom de l'équité, Max se prive donc d'un peu d'argent et il inflige une punition à l'autre joueur qui sera aussi privé d'argent. Mais ça se passe très différemment si on intervient directement dans le cerveau de Max et qu'on lui administre à travers le crâne des stimulations magnétiques. Une intervention que Daria Knorr a reconstituée pour nous. Indolore et non-invasive, les impulsions magnétiques pénètrent dans le cortex préfrontal et en neutralise une petite zone. Dès lors, le comportement de Max sera totalement modifié. Il ne prendra plus les mêmes décisions. Après la stimulation, il accepte toutes les offres de partage, même les plus inéquitables. La personne testée reçoit des impulsions qui désactivent temporairement les fonctions de la partie frontale du cerveau. Cette personne est ainsi plus capable de punir l'autre, elle veut l'argent pour elle, très égoïstement. Et ça lui est complètement égal de savoir si le comportement des autres est équitable ou pas. Après cette intervention, Max est donc devenu égoïste. Mais rassurez-vous, ce changement de comportement n'a été que très éphémère, puisqu'au bout d'une quinzaine de minutes, Max est redevenu lui-même. De telles manipulations du cerveau ont de quoi faire frémir. Utilisées dans un but malveillant, elles favoriseraient les pires applications. Mais elles peuvent aussi servir à des fins thérapeutiques. En stimulant certaines zones du cortex, il est possible de limiter les addictions, d'atténuer les troubles alimentaires ou les toxicomanies. Et les techniques d'influence mises au point par les psychologues sociaux sont aujourd'hui utilisées dans des campagnes de santé publique.
Par exemple, pour inciter les gens à se faire vacciner ou à faire don de leurs organes. La manipulation n'est donc qu'un outil, tout dépend comment on s'en sert. Nous voici arrivés à la fin de l'émission. J'espère qu'elle vous aura permis d'être un tout petit peu plus conscient de toutes les sollicitations auxquelles nous sommes confrontés à longueur. J'ai encore envie de ce truc là, de cette huile de massage, elle a l'air bien, la vanille et tout. Mais la copine, qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce qu'elle vous veut du bien. Et moi j'ai fait la même chose pour d'autres. Bah achète, allez au point où tu en es, achète. Et puis le rôle de la vendeuse dans cette séance-là en particulier, mais finalement elle est assez effacée. Elle crée un décorum et ensuite elle laisse que les choses se passent. Et de temps en temps, par petites touches comme ça, elle s'approche de quelqu'un qui est en train de lorgner du côté du catalogue et puis elle lui donne un petit renseignement. Là, elle vient vers vous et elle vous propose encore un petit quelque chose. Mais ce n'est pas très appuyé comme démarche. Donc vous n'avez pas l'impression qu'elle vous pousse à la consommation. Même si quelque part, elle le fait, évidemment. Et ça n'est pas tout, car si Sophia aime les bougies, elle adore le maquillage. Une amie m'avait offert un bon pour une séance de maquillage à mon domicile. J'étais avec ma mère. Et puis cette jeune fille est venue avec une petite mallette. Elle était la représentante d'une marque de cosmétiques connue. Et d'abord, elle m'a fait un maquillage et je me trouvais mais canon. Puis ensuite, elle m'a dit, mais vous pouvez acheter les produits. Oh, ben ça c'est bien. Alors, et alors là, la fille était vraiment active. Elle a dû flairer le pigeon. Et alors, elle me disait, voyez, Sophia, par exemple, le crayon blanc, ça fait, si vous voulez avoir l'œil plus grand, alors je dis, oui, je veux avoir l'œil plus grand. Ah ben, il faut acheter ce crayon blanc. Et alors, j'achète le crayon blanc. Voyez, Sophia, ce mascara, alors, comme celui-là, il n'y en a pas d'autre. Et j'ai envie de la croire à ce moment-là. Alors, ne me demandez pas qu'est-ce qui vous pousse à la croire. Je ne sais pas très bien, mais j'ai envie de la croire à ce moment-là. Et je me dis que si j'achète ce mascara, j'aurai le cil plus long. Et donc, je plonge. Et je me suis retrouvée avec une ardoise de 800 et quelques francs, avec une mère décomposée à côté de moi qui me disait ma fille est folle, ma fille est folle. Et j'étais un peu folle. Ouais. Pousser une acheteuse comme Sophia à mettre le doigt dans l'engrenage de la dépense, ça relève d'une habile technique de persuasion. Une technique qui a été décortiquée dans les années 60 par des psychosociologues américains. Hello, the Johnson residence. Ils se sont livrés à une expérience devenue fameuse. Ils ont d'abord appelé au hasard des dizaines de femmes au foyer. How many grains of soap do you use? Et ils leur ont demandé de répondre à quelques questions simples sur leurs habitudes de consommation. Dans la technique, on l'appelle le pied en la porte. Son principe est relativement simple, obtenir peu dans un premier temps pour essayer d'obtenir davantage dans un deuxième temps. On demande aux ménagères de répondre à quelques questions, anodines, 8 questions, on répond volontiers, alors que ce que l'on cherche à obtenir, c'est tout autre chose. Effectivement, quelques jours plus tard, les pseudo-enquêteurs ont rappelé ces mêmes ménagères pour leur demander d'accueillir chez elles des investigateurs chargés d'inventorier tous les produits qui se trouvaient dans leur placard. La liste de la manipulation qui va nous la décortiquer en 3 moments clés. Ça a été un petit dessert? Oh non. On a la tarte aux framboises de maman si jamais elle est succulente. Il utilise une technique qui est bien connue et qui consiste à avoir un contact, mais pas n'importe quel contact. Contact en général c'est entre le coude et l'épaule, entre 1 et 2 secondes, sans effleurer, sans broyer. Et ce contact permet d'augmenter la probabilité de voir les gens faire finalement ce qu'on attend d'eux. Oui bon bah finalement d'accord. Très bien. Bah, je ferai un régime demain. Il nous faut des hommes qui jouent le jeu dans cette manif, sinon il n'y aura pas de photos dans la presse. Enfin... Je ne vais pas te forcer, hein. Tu es tout à fait libre d'accepter ou non. Mais là également, ce qui est utilisé, c'est une technique qu'on connaît bien, qu'on appelle le « vous êtes libre d'eux » et qui consiste à doter d'un statut de décideur, de sujet libre, la personne dont on recherche le concours. Alors on peut utiliser des formules comme « évidemment, vous êtes libre », mais on peut également utiliser d'autres formules comme « surtout ne vous sentez pas obligé » ou « c'est à vous de décider, c'est à vous de voir ». Dans tous les cas, on a le même résultat. Les gens déclarés libres se soumettent davantage. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils font librement ce que vous souhaitez les voir faire et qu'ils n'auraient pas fait spontanément. Bon, d'accord. C'est vraiment pour te faire plaisir. Voilà la décision. Vous connaissez l'expression « donnant, donnant ». Le serveur ne fait rien d'autre qu'activer une norme de réciprocité. Il fait quelque chose pour vous qu'il n'était pas obligé de faire, et il attend en retour de vous quelque chose que vous n'étiez pas obligé de faire.
Qu'est-ce que je laisse comme pourboire? 4 francs? Allez, 5. Les petites techniques de manipulation sont omniprésentes dans le commerce. Le vendeur sait par exemple que l'acheteur est plus sensible à une baisse de prix affichée en pourcentage qu'en valeur absolue. Autre exemple, certaines marques de voitures diffusent un parfum sentant la voiture neuve dans leur voiture justement neuve pour qu'elles sentent encore plus cette odeur si typique de voiture neuve. Les clients adorent ça. On est dans un pays qui passe son temps à compter, mais on n'a jamais. Et à propos de clients, Sophia, vous la reconnaissez, c'est la journaliste très rationnelle de l'émission économique de la TSR. Elle passe ses journées à parler chiffres, budgets et autres comptes transitoires. Eh bien, une fois la porte du boulot fermée, ses envies et ses passions lui font perdre la raison. Exemple, lors d'une soirée de vente à domicile entre copines. Moi, j'étais partie en me disant, je vais dépenser maximum 200 francs. Ce qui me semblait déjà une coquette somme pour des bougies. Puis quand je suis passée à la caisse, bah, j'en avais pour, je crois, 450 francs. Mais comment Sophia en est-elle arrivée à dépenser deux fois plus que prévu? Tout s'est passé selon un scénario bien rodé. Sans s'en rendre compte, Sophia s'est peu à peu retrouvée dans un engrenage qui l'a poussée à en acheter beaucoup. Et au coin de la rue, voilà une opportunité qui lui permet effectivement de se montrer qu'elle est effectivement serviable. Suivez le pavé. Ok. Descendez, il est juste là. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Lorsqu'on demande aux gens pourquoi vous avez réagi de cette façon-là, et les gens se drapent dans leur dignité pour vous dire mais enfin, je suis comme ça. C'est dans ma nature d'eux. Vous voyez, donc il n'y a pas forcément conscience du processus par lequel ils ont été amenés à faire. Pardon ? Ce qu'ils ont fait, mais ils en appellent directement à ce qu'ils sont. C'est gentil. En d'autres termes, cessez de croire que vous êtes serviable et demandez-vous plutôt ce qui vous pousse à l'être. Merci beaucoup, madame. C'est gentil. Merci. Quand il s'agit de manipulation, on peut dire que l'habit fait le moine. En effet, si vous voulez augmenter la valeur d'un produit et le vendre plus cher, n'hésitez pas à soigner son emballage. Une expérience a démontré que le même article de journal mis en page dans le Canard à sensation Le Blic ou dans la très respectée NZZ peut être à la fois considéré comme très léger ou au contraire comme très sérieux. Mais s'il y a un domaine où l'emballage compte, c'est celui du vin. Petite expérience de manipulation. Je vous laisse vous asseoir. Bienvenue à l'école hôtelière de Genève. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire déguster 4 pinots noirs de régions différentes. Vous allez les goûter les uns après les autres, me donner votre impression rapide, et puis à la fin, le meilleur des 4 et puis le moins bon. Pour cette dégustation expérimentale, il faut d'abord sélectionner 2 bouteilles contenant des vins très différents. En l'occurrence, un pinot noir suisse-allemand, jeune et peu connu, et un bourgogne millésimé 2005, reconnu pour être un excellent cru. On remplit les 2 bouteilles avec un troisième vin de même cépage, mais d'une toute autre provenance. Le même vin, de qualité moyenne, va donc se retrouver dans les 2 bouteilles, l'une à l'appellation prestigieuse, l'autre de réputation médiocre. Et pour brouiller les pistes, on ajoute 2 autres bouteilles, dont le contenu, cette fois, correspond à l'étiquette. On va commencer par un pinot noir de Suisse alémanique, qui est en 2009. On commence avec une première apprentie dégustatrice. Il est bien de Suisse alémanique, on sent. Vous sentez là. Qui rappelle les terroirs de là-bas. Bon, bah c'est déjà bien parti. Suivante. Moi, je dirais qu'il est très léger. Très léger, comme oui. Le noir. Il n'a pas beaucoup de tanin. Il y a une petite acidité qui me gêne un peu. C'est le premier goût, hein. Il est pas sur le retour. Très bien, on vous fait grâce des appréciations sur le deuxième vin qui nous intéresse moins. Et on passe à la troisième bouteille. Donc le troisième va être un Gevrey Chambertin. J'ai vraiment envie d'un coca, mais sans savoir pourquoi. Et le fait de ne pas savoir nous rend moins sceptiques. Et ainsi, il y a plus de chances qu'on court vers le frigo pour y prendre un coca. La publicité allusive peut être diablement efficace. Martin Lindström l'a expérimenté lui-même. Nous avons fait une expérience avec une marque de cigarettes connue. Nous avons installé 2 affiches dans Los Angeles. Sur l'une, il y avait un cow-boy qui regardait le paysage. Sur la deuxième affiche, il y avait le même cow-boy, mais cette fois-ci avec le nom de cette marque.
Et devinez ce qui s'est passé. Avec le logo, l'impact publicitaire était deux fois moins efficace que sans le logo. On sait donc aujourd'hui que si on vous dit le nom d'une marque, vous êtes moins influencé parce que vous devenez méfiant. Vous vous dites « Hey, ils veulent me persuader d'acheter plus, mais je ne veux pas ». Mais en voyant le cow-boy, vous pensez « Hey, j'ai envie d'une cigarette ». Et dans ce cas, vous êtes sous influence. Les pubs les plus percutantes au monde sont des pubs sans logo. Par exemple, les écouteurs blancs. Il suffit de les regarder pour savoir que c'est un iPod, que c'est Apple. Ce qui va arriver à l'avenir, c'est que les marques vont être dissimulées. Les produits ne vous diront pas qui ils sont. Vous le devinerez. Et quand vous le devinez, il arrive deux choses. D'abord, votre filtre de scepticisme baisse. Et ensuite, vous êtes en interaction avec le produit. Quand vous êtes en interaction, vous vous souvenez de beaucoup plus de choses que si vous êtes juste un observateur passif. À l'avenir, le logo va donc disparaître et les symboles vont prendre le dessus. L'odeur de la voiture, la sonnerie du téléphone, le toucher de la télécommande et toutes ces choses vont raconter une histoire indirecte sur la marque et c'est vous qui allez deviner qui c'est. On fait disparaître les logos et on fait appel à d'autres sens que l'ouïe ou la vue. Désormais, c'est votre odorat qu'on titille. Exemple, dans un supermarché. Les grandes surfaces ne placent pas la boulangerie près de l'entrée parce que c'est la meilleure place pour y faire du pain. En réalité, c'est le pire endroit du point de vue opérationnel. Mais sur le plan sensoriel, c'est un endroit idéal. Parce que l'odeur du pain qui sort du four est irrésistible. L'odeur est le seul stimulus sensoriel qui contourne la partie rationnelle de notre cerveau. Il touche directement aux émotions. On ne peut pas y résister. On se dit, je commence à avoir faim. Et évidemment, plus on a faim, plus on achète. Lutter contre l'influence de la pub, c'est la bataille de David contre Goliath. Et dans cette histoire, David s'appelle Rémi Douat et il vit à Paris. Moi, en tant que passant, en tant que citoyen, en tant qu'individu dans la ville, je me sens agressé par cette publicité. Moi, je ne suis pas un anti-pub fervent. Je trouve que c'est normal de communiquer sur ce que chacun dans la cible. On leur demande ensuite s'ils se souviennent des mots qu'on leur a présentés. Et cette fois-ci, on y inclut le mot montagne. Au final, la plupart des spécimens se disent certains d'avoir vu ce mot. En ayant vu les différents mots reliés au mot montagne qui n'a pas été présenté, la personne, elle a généré, ou le mot a été associé automatiquement, elle a vu une montagne où elle a associé tout ça au mot montagne. Et ultérieurement, elle ne peut pas faire la distinction entre ce qu'elle a imaginé et ce qu'on lui a présenté. Et d'une certaine manière, elle l'a en mémoire, puisqu'elle l'a généré. De quoi remettre en question l'idée d'une mémoire infaillible. La plupart des chercheurs actuellement dans le domaine de la mémoire considèrent effectivement que la mémoire, c'est un processus de construction. Quand on met en mémoire, on construit un souvenir en fonction de nos croyances, de nos valeurs, de nos buts, de nos conflits. Et de la même manière, quand on récupère un souvenir, on va récupérer ce qui correspond à nos buts, nos croyances, nos valeurs. Donc c'est vraiment un processus de construction. On est loin de la métaphore de l'ordinateur ou de l'appareil photographique. Vous voulez dire quoi, du disque dur qu'on aurait Voilà, on construit nos souvenirs. Une chercheuse américaine a poussé l'exercice plus loin. Elle a réussi à implanter sciemment dans la mémoire de plusieurs personnes le souvenir d'événements qui ne s'étaient jamais produits. L'une des choses qui m'a impressionnée, c'est que lorsque nous avons essayé d'implanter des souvenirs totalement faux dans la tête des gens, j'ai pu constater à quel point c'était facile à faire. Par exemple, nous avons réussi à faire croire à des gens que lorsqu'ils avaient 5 ou 6 ans, ils s'étaient perdus dans un centre commercial, en leur mentionnant un lieu précis et en citant des personnes présentes. Nous avons réussi à ce que ces gens se souviennent de cette expérience qui était totalement inventée. Et pour y parvenir, nous leur avons dit que leur mère ou leur père nous avait raconté ce qui leur était arrivé quand ils avaient 5 ou 6 ans. Et nous leur avons demandé ce dont ils se souvenaient.
Ensuite, nous leur avons raconté quelques détails de cette histoire inventée, cette expérience de s'être perdu, d'avoir peur, d'avoir pleuré, et puis d'avoir été retrouvés et remis à leur famille. Quand nous avons fait ça pour la première fois dans les années 90, une personne sur quatre a cru à notre histoire et s'est mise à se souvenir partiellement ou totalement de cet événement inventé. Dans une autre expérience, des chercheurs ont emprunté une photo tirée de l'album. On peut donc aisément manipuler la mémoire, mais plus surprenant encore, il est aujourd'hui possible de modifier le comportement de quelqu'un en stimulant son cerveau. C'est l'exploit qu'a réalisé Daria Knorr, professeur au département de psychologie sociale et affective de l'université de Bâle. Cette neuroscientifique de réputation internationale connaît de près les méandres du cortex préfrontal latéral, une zone qui joue un rôle important dans la prise de décision. Daria Knorr a mis au point une technique permettant de désactiver temporairement cette zone, donc d'influencer directement votre comportement et vos décisions. Nos recherches démontrent clairement, nous l'avons constaté à travers 9 études, que lorsque nous stimulons une zone bien précise sur la partie frontale du cerveau, les gens peuvent changer de comportement en devenant par exemple plus impulsifs ou moins corrects. Et on peut agir aussi sur d'autres dimensions du comportement. Démonstration concrète avec un jeu d'argent auquel participent par ordinateur une douzaine de spécimens. Ils reçoivent tous une certaine somme d'argent qu'ils doivent partager avec un autre joueur placé dans une pièce annexe, appelons-le Max, à qui ils font une proposition de répartition. Si l'offre est injuste, inéquitable, Max va généralement la refuser. Et personne ne reçoit l'argent. Lorsqu'on est confronté à une offre inéquitable, on est face à un conflit. D'un côté, on aimerait avoir l'argent, mais de l'autre, on trouve l'offre tellement injuste qu'on a envie de la refuser pour punir celui qui la propose. On est donc face à ce dilemme et on le résout en punissant celui qui viole les règles établies en faisant une offre inéquitable. Mais pour le punir, il faut pouvoir contrôler ses propres pulsions égoïstes et rejeter l'offre, donc renoncer à avoir l'argent. Au nom de l'équité, Max se prive donc d'un peu d'argent et il inflige une punition à l'autre joueur qui sera aussi privé d'argent. Mais ça se passe très différemment si on intervient directement dans le cerveau de Max et qu'on lui administre à travers le crâne des stimulations magnétiques. Une intervention que Daria Knorr a reconstituée pour nous. Indolore et non invasive, les impulsions magnétiques. Croyez être libre dans vos choix quotidiens, mais en réalité, vous êtes très influençable. À longueur de journée, on vous manipule par des techniques de plus en plus raffinées. Fini les vieilles affiches gentiment suggestives, la pub d'aujourd'hui malaxe vos neurones à coups d'émotions fortes, très fortes. Dans l'heure qui suit, vous allez voir comment vous vous faites influencer par les slogans, les images et les étiquettes trompeuses. La preuve, nous avons rempli 2 bouteilles avec le même vin. 2 bouteilles portant des étiquettes différentes, l'une prestigieuse, l'autre médiocre. C'était le même vin et pourtant tous nos dégustateurs sont tombés dans le panneau. C'était vraiment les deux mêmes. Ok. C'est pas possible. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr.
Votre comportement est aussi très malléable. Avec quelques impulsions électriques, on peut faire de vous un brave altruiste ou un sale égoïste. Ça se pratique dans un laboratoire de Bâle où des chercheurs sont parvenus à modifier les réactions d'un spécimen en envoyant des impulsions magnétiques dans son cerveau. Vous verrez tout à l'heure que ça n'est pas de la science-fiction. Vous allez aussi découvrir comment il est possible de manipuler votre mémoire et d'y implanter de faux souvenirs. Nous en avons nous-mêmes fait l'expérience. Nous avons convoqué des spécimens à une séance de cinéma. Quelque temps après, nous leur avons fait croire qu'une petite fille était également présente ce jour-là. Pour les tromper, nous leur avons envoyé une photo truquée. Et chose incroyable, ça a marché, le faux souvenir est devenu vrai. Je me souviens d'elle quand elle est entrée dans le cinéma. Je me souviens d'elle parce qu'elle voulait se rendre utile en aidant à distribuer les cafés. Vous avez certainement de la peine à croire qu'on peut fabriquer un souvenir de toute pièce. Alors en attendant l'explication complète tout à l'heure, venons-en à quelques leçons pratiques de manipulation. Bonsoir. Tout au long de cette émission, vous allez voir des expériences de manipulation très surprenantes. À longueur de journée et quasi en permanence, nous sommes mis sous influence. Caroline, elle, ne se souvient pas de la tasse de café, mais elle garde un souvenir très précis de Luna. Alors, Luna, je m'en souviens plutôt comme une petite fille un peu timide. Je ne l'ai pas personnellement beaucoup côtoyée pendant cette journée-là. Je me souviens d'elle quand elle est entrée dans le cinéma. Je me souviens d'elle parce qu'elle voulait se rendre utile en aidant à distribuer les cafés. Elle a été rejoindre Chloé dans la petite cuisine et à la cafetière. Par la suite, je ne l'ai personnellement pas beaucoup vue, mais je me souviens d'un moment en fait, où elle était un peu recroquevillée vers Chloé, un peu... Donc je l'ai senti assez timide en fait et c'est l'image que j'en ai gardée d'elle. C'était une petite fille visage un peu triste, en tout cas un peu fermé vers la machine à café. Durant cette interview, ce que on a essayé de faire avec vous, c'est de vous faire rappeler d'un souvenir qui est faux. Parce que la petite fille qui est sur cette photo, c'est une photo montage. C'est un photomontage. Il n'y a jamais eu de petite fille ce jour-là au cinéma. J'y crois pas. On l'a inventée de toute pièce, cette petite fille. Et peu à peu, vous êtes arrivé à vous en souvenir. C'est hallucinant. Si c'est vrai, je tombe des nues et je me rends compte à quel point on est manipulé. Et là, ça me vexe un petit peu, en fin de compte. Si c'est vraiment vrai, je ne sais plus trop où est la vérité de la fiction. Et je suis impressionnée de voir à quel point on peut croire à une histoire aussi facilement. C'est-à-dire que la manière dont ça a été discuté, qu'on en a reparlé, pour moi, ça avait vraiment eu lieu. Ça avait vraiment eu lieu, même si je ne l'avais pas vu moi-même. Et heureusement que je n'ai pas essayé de faire croire que je l'avais vu moi-même, parce que sinon je me sentirais encore plus mal. Mais c'est comme si vous en rappeliez de cette petite fille, ouais, ce jour-là. Complètement, tout à fait. Et j'ai vraiment l'impression... Mais non, elle était là, je suis sûre qu'elle était là. Parce que je la revois vraiment vers la machine à café, donc j'ai vraiment cette image extrêmement présente à l'esprit. Donc j'ai de la peine à imaginer qu'elle puisse ne pas avoir été là ce jour-là. Pour vous, elle était là? Pour moi, elle était là. Comme Caroline, personne n'est à l'abri d'un faux souvenir. Et votre mémoire en est certainement pleine. Vous pouvez donc vous demander comment faire pour distinguer un souvenir réellement vécu d'un souvenir inventé. L'une des choses les plus difficiles à accepter concernant notre mémoire